Bonjour. Aujourd'hui, on a une télévision. On doit voir un peu comment ça se comporte. Voilà, j'ai branché le jeu. Regardez comment ça signale. Voilà, je vais allumer. Ok. Bon, ça a lancé. Regardez au tableau. Ça affiche LG. Mais on dirait que il n'y a pas de lumière. Voilà, on va vérifier, on va voir quel est le problème. On va essayer de tourner le téléviseur et vérifier pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est débrancher d'abord. Je vais d'abord sur tension. Parce que là, ça a démarré. On va débrancher. Voilà ce qu'on doit faire. On doit venir ici, on va tester. Parce que voici la nappe. Ça, c'est le fil qui alimente les LED à l'intérieur. Comme je disais là, il faut qu'on branche, on va brancher, on va essayer. On va essayer pour voir si la tension qui alimente les machines là, les lampes. La tension qui alimente les lampes, ça produit. Bon, on va connecter sur le jus. Ok. Lorsqu'on a connecté, on vérifie si c'est le rouge qui signale. Ok, la télécommande. C'est-à-dire voir le jus, voir le rouge. On va lancer jusqu'à ce que cela doit partir. Ok, ça a pris. Bon, on va maintenant vérifier à ce niveau. Waouh, ça a été décompté. C'est-à-dire c'est comme si ça a lancé et ça décompte. C'est tout descendu. Parce que normalement, ça doit maintenir la tension aussi ici, à l'ordre de 67 volts. Donc, parce que je n'ai pas montré, il faut que je recommence. Bon. Laisse le truc ici toujours. Là, on va éteindre, on va réallumer. Ok, on éteint. C'est comme ça chute là. On va réallumer, regardez bien. On va essayer de réallumer. Voilà, je vais réallumer. Vous allez voir. Ok, vous avez vu, c'est monté à 64 et c'est descendu. Ça veut dire, parce que cette partie-ci fonctionne en circuit fermé. Donc, de 64 volts est arrivé là. Et ça a fui justement parce que ça n'a pas retrouvé les lampes. Donc ici, on doit. Le problème ne vient pas de la carte, donc ça vient des lampes. Donc on va démonter totalement la télévision. On doit essayer de regarder le problème au niveau des LED. Donc on va mettre pause à la vidéo et on va démonter la télévision. Bon, j'ai démonté jusqu'à je suis arrivé au niveau des LED, comme je vous parlais là. Et à l'intérieur des 32 pouces, il n'y en a que deux barres de LED. Je vais trouver un moyen de réparer ceci. Dans le cas contraire, il va acheter une nouvelle barrette de LED comme ça pour mettre à l'intérieur. On dirait que c'était un écran qu'on avait déjà eu à travailler à l'intérieur. On a eu à travailler. Donc je vais essayer de travailler. Je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Comme je disais là, j'ai déjà fini avec les LED. J'ai déjà arrangé tout ce qui était défectueux à l'intérieur. Donc voilà ça. On va essayer de voir comment faire ça. On va essayer de voir comment brancher pour contrôler comment ça marche. Bon, on va d'abord connecter ceci. On va connecter la prise là en bas. On va connecter là en bas. On va maintenant prendre la prise d'alimentation. On va brancher. Contrôleur là. C'est-à-dire que le jus arrive. Ah, maintenant, on va juste démarrer. On va attendre. Voilà. Vous voyez, ça brille normalement. On va essayer de mettre les papiers pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, j'ai déjà mis ceci. En fait, il ne faut pas dire que je n'ai pas montré. Hein. Ce n'est que la lamelle ici là que j'ai monté. Je mets ceci au-dessus. C'est juste pour dissiper bien la lumière sur l'écran. Nous avons monté ceci. Comme ceci est déjà connecté. Là, je déconnecte seulement la fiche d'alimentation. Je confirme que le jus est là. Donc c'est là que je vais démarrer. Je vais lancer. Dès que j'ai lancé. Voilà. Voilà, ça brille normalement. Donc, il suffit seulement de mettre l'afficheur et c'est tout.
Voilà, c'est déjà monté. J'ai monté juste un peu pour essayer avant de faire la finition. Là, on met sur le jus. Et on va attendre. Oui, quand ça signale. Désolé, hein, je n'ai pas la télécommande PC. La télécommande que j'ai là dérange beaucoup. Mais moi, je préfère utiliser mon tournevis parce que l'endroit là est touché. Bon, j'ai lancé. On va voir tous ensemble ce que l'écran donne. Voilà. On va bien avec l'image, on voit bien comment ça donne. Regardez un peu la qualité d'image. L'image est là, c'est bon. Il y a juste des petites lumières qui laissent passer parce que derrière là, il y a des nappes qui comptent. Les pages qui sont à l'intérieur qui vont essayer d'étouffer la lumière ne sont pas bien faites. Donc c'est pas comme tous ces écrans 32 pouces. Donc c'est comme ça qu'ils vont visionner. Voilà, voilà comment ça va être. Bon, on va mettre l'image pour voir un peu comment ça se comporte. On va essayer l'image pour voir un peu si ça, comment ça se comporte exactement. Voilà ça. L'image est au top. L'image est là au top. Donc c'est pas un truc à l'image. Donc là maintenant là, on doit visser tout et tester normalement pour confirmer que tout va bien. Comme je disais là, dans ce genre de cas, le but n'est pas seulement de changer les lampes et que c'est bon. Vous saviez, moi je suis dans un pays donc les pièces que nous on retrouve ne sont pas toujours les pièces d'origine. Et généralement lorsqu'on change seulement les lampes et on livre au client, on a des retours. Donc voilà une carte. On vend ceci au marché. Elle me fournit un truc comme ce soit en 5 volts, ce soit en 3 volts. Bon, d'autres qu'on va au marché, ça c'est d'origine. D'autres qu'on va au marché, il y a des façons de régler. C'est réglable. Bon, ici. Je vais utiliser ceci là. Donc je vais laisser sa pompe d'origine. Donc la pompe d'origine de la carte qui était connectée là, je n'ai plus l'utiliser. Je vais exploiter cette carte là pour fournir la même tension, c'est-à-dire l'alimenter à 12 volts. Donc exploiter le 12 volts qu'il y a sur ma carte. Alimenter ce module avec. Exploiter l'information 12 volts ici là qui vient pour alimenter l'afficheur. Le 12 volts ici là. Parce que ce 12 volts vient en retard. Donc du coup, je vais l'exploiter de telle façon qu'il vienne pour gérer mon information sur cette carte-ci là. Parce qu'en alimentant avec cette carte, je suis plus rassuré que la télévision peut aller faire 3 ans, 4 ans, donc durer au plus tant que possible. Mais en mettant les lettres que j'ai mis, comme je ne suis pas rassuré de la fabrication des lettres, ça ne doit pas tenir avec sa pompe d'origine. C'est pour ça que nous on utilise ça. Là, et quand vous mettez les lettres, il faut être rassuré que c'est les lettres d'origine. Que ce pour utiliser avec son ancien pomme, sinon vous allez mettre là 2 mois, 3 mois, ça va mourir. Donc je vais mettre pause à la vidéo et je vais connecter, je vais sauter les fils, je vais connecter, je vais mieux vous expliquer à partir de là. Il faut la finition et fermer.